À Bégard, en matière de football, on cultive plutôt bien la graine de champion. Et désormais, elle s'échange même le long de la main courante, avec des vignettes qui ne sont pas sans rappeler le mythique album Panini. Est-ce que c'est aussi difficile d'avoir toutes les vignettes comme pour les pros? Oh ouais, ce serait compliqué. Parce que des fois, tout le monde veut la même et... 21, c'est compliqué. Vas-y, presse, Enzo, presse! Petit, mais costaud, le 16 Bégard est donc le premier club des Côtes d'Armor à s'offrir son album officiel. Un joli cadeau de Noël, largement diffusé à ses 350 licenciés. Un vrai virus à prise rapide, à en juger par l'engouement des petits comme des grands. Comme un gamin. C'est ça, tout à fait ça. J'ai retrouvé mon enfance. Je suis retombé 25 ans en arrière. Oh bah, recoller les images, trouver les têtes des copains, un peu de tout, quoi. Depuis 3 semaines, c'est l'effervescence dans les commerces locaux. On a même du mal à faire face à la demande. Ça marche très fort. On a à peine le temps de poser la boîte qui est déjà partie. Si, ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Puis même aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Si, c'est un vrai centre de partage, en fait, quoi. On échange... Même moi, le premier, j'en ai fait un aussi avec tous les clients. On s'est vraiment bien marré. Maintenant, il est fini le mien. Dommage, je ne pourrais plus m'amuser avec eux, quoi. L'idée est venue d'Erwan Sillard, le responsable de notre école de foot, qui nous a proposé l'idée de faire un album du club aux couleurs de notre club, le CS Bégard. Et c'est vrai que l'idée nous a totalement emballé. Et c'est comme ça que le projet est parti il y a à peu près un an maintenant. Par contre, celle-là, je l'ai en double. Celle-ci, tu l'as pas? Ah bah moi je l'ai pas, celle-ci. En fin de compte, c'est une façon ludique un peu de faire connaissance avec tous les acteurs du club, en passant par les baby-foot et les vétérans, les dirigeants et les bénévoles aussi, les membres du comité d'administration. Une initiative heureuse qui aura eu pour première vertu de réunir toutes les générations dans cette localité de moins de 5000 habitants. Maman.